Salut, salut tout le monde, vous êtes sur Real Game Company, on se retrouve pour un nouvel épisode de Super Mario Galaxy. Je joue sur la Switch et nous en sommes à l'épisode numéro 5 et nous allons découvrir de nouvelles galaxies et remporter, je l'espère, plein d'étoiles. Alors, on va directement aller dans la salle de bain là, qui se retrouve tout au fond de la map. Et voir ce que nous allons pouvoir explorer. Pour l'instant, j'ai 12 étoiles. Est-ce que ça va être suffisant pour dévoiler une nouvelle galaxie? Yes, effectivement, la nouvelle galaxie nécessite 12 étoiles. Donc ça, c'est super cool. On a le défi boule également. Je vais pas le faire aujourd'hui, on le fera dans une prochaine vidéo. Là, j'ai bien envie de voir ce qui nous attend dans cette nouvelle galaxie. La forteresse rocheuse. Et 3 étoiles à récolter dans cette nouvelle galaxie. Alors, on y va. Démarrons immédiatement avec la première étoile. Et là, alors, comment ça va s'appeler? L'assaut de la forteresse, tout simplement. Allez, c'est parti. Oula, j'ai l'impression que ça commence à se compliquer tout doucement, hein. D'accord, déjà on a des petits fragments d'étoiles à chercher un peu partout, d'accord. Il y en a même... Ah, il y en a même en dessous en fait. Est-ce que je vais chercher les fragments? Ouais, c'est toujours utile en fait. Ah, surtout qu'il y a un morceau d'étoile, tant mieux. Et là, bon, il n'y avait qu'une pièce dans la caisse, ok. Encore deux. Ok, on y est. Ouais, en fait, on peut pas leur tirer dessus, ça leur fait absolument rien à eux. Et bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Faut que j'accroche en fait cette. Voilà, comme ça, nickel. Et on est parti pour la suite. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, la couche haute dessus? Non. Ah, voilà. Oulala, qu'est-ce qui m'attend là? Ça tire de partout. Ah là, je vois. Je vois les obstacles arriver, d'accord. Il va falloir jongler entre les boules qu'on tire, les barrières électriques. Super cool. Wow, wow, wow. Aïe, ça fait mal. Attention. Et ça passe. Ah non, c'est perdu. J'ai pas du tout fait attention à ma jauge d'énergie en fait. Tellement j'étais absorbé par ce qui se passait à l'écran. Bon, ok. Eh bien, on recommence, on y va. Allez, ça passe. Ah.
Alors du coup là l'étoile est emprisonnée. Il va falloir que je trouve un moyen pour casser le blindage. Ok. On ne projette pas de Goomba dessus. Ça sert à rien. Je vais continuer, on verra plus tard. On trouvera bien un moyen quelque part. Ah ah, il est là le moyen, ils sont là. C'est les bilballes la solution. Ok, c'est bon. Suivant. Merci bien. Par là, par là, par là. Ah, du coup, j'ai pas utilisé le trampoline pour taper le cube. On va quand même le faire. Ah, presque. Bon, c'était des fragments d'étoiles. Ok. Et voici la première étoile de cette nouvelle galaxie. Cool. Bon, ça allait, c'était pas trop difficile. C'est cool. Il semble que les comètes farceuses, ce fléau de l'espace, aient fait leur apparition dans les parages. Ah, c'est quoi ça encore? Les comètes farceuses changent radicalement les galaxies. Si quelque chose t'échappe à propos des comètes farceuses, va demander à la Luma Comète. D'accord, on va lui demander. Petit point de sauvegarde, on ne sait jamais. Qu'est-ce que sont donc que ces comètes farceuses? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Merci. Les comètes farceuses, j'en fais mon affaire. Alors, qu'en fais-tu aujourd'hui? Explique-moi ou déplace-les. Explique-moi d'abord. Elles sont agaçantes, elles changent l'apparence des galaxies. Comètes rouges limitent le temps dont tu disposes. Comètes blanches abaissent ton énergie à 1. Waouh, alors ça c'est complexe, effectivement. Comète ombre, ton double te défie avec la comète rapide. Oh, quoi, tes ennemis s'accélèrent. Oh là là, d'accord. Ok, donc en fait, c'est des espèces de handicap hein, qu'on vous met dans les niveaux. Sauf que lui, il peut les éliminer, les déplacer. Donc ça, c'est cool. Quelqu'un veut-il des comètes farceuses s'en aille? Oui. Enfin, je sais même pas s'il y en a déjà, en fait. Donc 20 fragments d'étoiles pour les faire partir. Ok, je paye, pas de soucis. Maintenant, je vais pouvoir m'y mettre. Abracadabra, disparaissez. Bon, ok. C'est bon à savoir pour la prochaine fois. Mais pour l'heure, nous retournons à la salle de bain pour récolter la deuxième étoile de notre nouvelle galaxie. Et on retourne donc à la forteresse rocheuse, et qui va nous réserver quoi? L'assaut de la forteresse. Ok, d'accord.
Ah, donc on se retrouve exactement au même point de départ que tout à l'heure, avec toutefois quelques petits changements. Très bien. L'infiltration de la forteresse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Outre récupérer des fragments d'étoiles, ça, c'est bon. Ah, nous avons des bob-bombes. C'est comme ça qu'on va péter les cages. Ouais, ça suffit pas. Je pense qu'il faut vraiment que j'aille de l'autre côté pour les mettre. Ok, yes. Maintenant la dernière, c'est pour l'étoile. Bim. Tiens, alors cette planète, elle est vraiment bizarre. Waouh, et nous avons des gros chomps dessus. Oui, d'accord, ok. Tiens, on va parler à ce luma, là. Et toi, là, t'aurais pas des fragments d'étoiles? J'ai une furieuse envie de fragments. Je veux manger plein de fragments. Ok, si tu m'en donnes 30, je me transformerai. Alors, combien j'en ai? Je suis pas certain d'en avoir assez, zut. Ah non, il en manque. Je les ai balancés pour rien. J'en avais... Ah punaise, non. J'avais le compte. Et je les ai balancés sans viser dessus. Donc je les ai gaspillés pour rien. Et là je suis embêté parce que du coup bah, je me retrouve avec aucun... Ah bah ça c'est n'importe quoi. Ok, alors comment faire pour en récolter des nouveaux, tiens. Je peux pas les dégommer eux, c'est pas possible. Il doit bien y avoir un moyen, attendez voir. Faut faire le tour de cette planète. Pour l'instant, hein, c'est ouf. Peut-être de l'autre côté. Ouais, j'en ai que deux, ça sert à rien. Ah, voilà ce que je n'avais pas vu, mais bien entendu. Ça débloque absolument tout là. Étoile d'invincibilité, bim. Et oui, je vais pouvoir récolter des fragments d'étoiles en détruisant les chomps. C'est parti, allez, on en profite pendant qu'on en a le temps. Et yes, c'est bon, on a le compte. Mais je vais quand même tous me les faire. Ok.
Tiens, j'ai largement assez pour toi, prends. Allez, vas-y, gaffe-toi. Miam, 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 miam. Et la sortie, c'est par là. Transformation. Une nouvelle planète apparaît. Waouh, qu'est-ce que c'est que cette planète? Plein de bombes. Il n'y a rien par ici, c'est un cul-de-sac, ce n'est qu'une décharge. Mais qui a fait ça? Qui a acheté des déchets recyclables ici? Dis, si je te prête le nécessaire, tu veux bien mettre un peu d'or dans le coin? Ouais, ok, c'est parti. Alors je compte sur toi. Waouh, attention, on a que 30 secondes. Et je pense qu'il faut envoyer des bombes en fait, hein, pour les éliminer ces trucs-là. Allez, vite, vite, 30 secondes. On se dépêche. Et là, il va falloir placer les bombes stratégiquement pour qu'elles explosent le plus de déchets possible. Allez, allez, elles mettent du temps à exploser, c'est juste ouf. Allez, 10 secondes et je ne vais plus... Ah, je vais plus avoir le temps. Et 0. Aïe, 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 c'est raté. Ouais, faut te remuer un peu plus, ouais, effectivement. On va retenter ça tout de suite. En fait, il faut bien les mettre au centre. Allez, là c'est la bonne. Ouais, ça c'est plutôt pas mal. Allez, peut-être que... Est-ce que 10 secondes ça va suffire? 7, 6... Ah non, il va m'en manquer 2. Ah, il va m'en manquer 2. Ah non, c'est pas vrai. Quelques secondes de plus et ça aurait été bon. Bon allez, on retente une dernière fois. Allez, on y croit. Ouais, là c'est pas mal. Une ici. Ah, je sais pas si ça va suffire. 5, 4, 3, 2, 1. Et oui! Oh punaise! J'y ai pas cru, hein. Excellent. Et qu'est-ce qui me donne en récompense? Oh oui, bah c'est ce que je cherchais justement. Merci beaucoup. Il s'agit donc de l'étoile. Bah l'étoile qu'on cherchait. La deuxième étoile de cette galaxie. Excellent. Allez, on y retourne. Ah tiens, maintenant il y a une quatrième étoile qui a fait son apparition, tiens. J'étais persuadé que c'était que 3 étoiles. Et cette fois-ci, ça sera quoi? L'infiltration de la forteresse. Eh oui, puisqu'on a finalement... Nous n'avons pas continué à l'étape de la déchetterie. Donc il va falloir qu'on se retape tout le chemin jusque là-bas. Alors je vais vous épargner tout ça, hein, on s'y rend directement. Voilà, sauf que maintenant, au lieu de faire le ménage, nous allons passer dans ce tuyau. Ah d'accord, ok. Donc en fait, on revient ici. Bon, cette fois-ci, on sait comment faire. Allez, en fait, non, mais l'étoile, elle est déjà là. Elle est déjà là, en fait. Attention à l'énergie.
Merci beaucoup, le raccourci par ici, transformation. Voilà, là on n'a pas encore été. Waouh, on se retrouve dans une espèce de champ miné, un champ d'astéroïdes minés. Pas mal de choses à choper par là, pour les plus courageux. Une augmentation d'énergie, une vie. Et par contre, faut pas se faire toucher, quoi. Allez, ça je prends. Yes. Tant pis pour la vie, je préfère pas prendre le risque. Et c'est par là la sortie. Et est-ce qu'on aura un boss à affronter, dites-moi? Ah, ça c'est sans doute pour rentrer à l'intérieur. C'est quoi ce truc? Ok, des bombes. Ça marche. Oh, un canon! Viser et appuyer à... D'accord, donc en fait, il faut dégommer ce truc, je pense. Ouais, je l'ai touché, mais pas complètement. Aïe! Il faut y aller à plusieurs reprises. Oh non, la misère, non, je suis passé à côté, n'importe quoi. Et une deuxième fois. Ah là là, concentration, punaise. Faut anticiper le mouvement en fait. Comme ça, voilà. Ah quand même. Ah, donc maintenant faut tirer encore une fois et passer dans... Ah, c'est bien foutu. Magnifique, bravo. Est-ce qu'on atterrit ici? Oui, une espèce de fusée. Et ça va pas suffire. D'accord, faut se faufiler entre les arcs électriques. Bien. Ah, c'est pas vrai. Là, je suis pas mal. Oula, attention, là pareil, anticipation du mouvement, faut qu'on passe à travers sans se faire toucher, sans percuter les grilles. Alors, tac, ouais, ça passe du premier coup, nickel. C'est donc notre troisième étoile de cette galaxie. C'est parfait.
Donc on en est à 15 étoiles, ok, ça c'est cool. Ou 14? Non, 15. Nouveau. Qu'est-ce qu'on a de neuf? Position ennemie repérée. Cette fois, nous avons observé une énergie incommensurable. Je me demande ce qu'il trafique. Ça craint ça. Ça sent le boss. Ah ouais, il y a un truc qui apparaît là. C'est quoi ça? C'est une espèce de comète. Qui est sur le... La comète rouge est en chemin. Ok. Ça c'est quoi? On a une nouvelle galaxie que nous pouvons découvrir puisqu'on a le compte, on est à 15. Elle est là. Forteresse rocheuse. C'est parti, on va quand même la finir celle-ci avant. Hein. La quatrième, la menace Begoman. Qui est ce Begoman? Ça sent le boss. Nous voici encore sur ce même départ qu'on a déjà fait trois fois, avec à chaque fois toujours une petite variante. C'est qui ça? C'est une espèce de taupe? Qu'est-ce que cette taupe fait là? Waouh! Alors là, on a des lasers, on a des mines, attention! Allez, on se tire ailleurs! Impossible d'avancer à cause de ces fichues lignes électriques. Tu peux les activer en envoyant quelque chose dessus en tournoyant. Bah la seule chose qu'on a sous la main c'est l'espèce de toupie là, hein, donc on a pas le choix. On va se le tenter. Et ça, ça sera pas de superflu, merci beaucoup. Se mettre bien en face. D'accord, et tournoyer pour qu'il percute l'arc électrique. Non. Plus. Voilà, comme ça. Parfait. Mais merci beaucoup. Pour te remercier, je vais te montrer un raccourci. Transformation. Encore ces satanées taupes. Est-ce que je peux lui sauter dessus maintenant? Ouais, tu sais quoi? Je préfère pas. Et on y va. Ah! Ok. Des histoires de gravité. Ouais, comment je fais là? Ah, faut juste taper dessus. Ok. Facile. Ok. Ah, il y a de la lave. Gaffe à la lave.
Allez, 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 allez. Le levier, le levier. Ok. Alors le truc là, c'est qu'il faut surtout pas sauter. Sinon, ben, vous voyez ce qui se passe. Vous vous retrouvez dans l'autre sens et ce qu'on veut pas en fait. On veut pas du tout être par là. On veut être au bout. Voilà, c'est là qu'on veut être. Allez, on saute pas, surtout pas. Ok, ça passe. Ouh, attention à la presse, là. Ah, je me suis fait... Ah non, j'ai cru que ça passait, et puis je me suis vraiment fait prendre au plein milieu. Je me suis fait cisailler entre deux blocs. Bon, bah tant pis, on y va, on continue. Allez, maintenant, on s'applique, hein. On fait bien doucement... C'est marrant, le sol est à moitié cassé. Je suis certain qu'il y avait un truc à faire là. Mais bon, tant pis. Peut-être qu'on reviendra. Ouais, je déteste quand il y a des espèces d'ondes de choc là. Ok. Où est-ce qu'on atterrit? La tête à l'envers. Ah ok. Attendez. Je m'occupe de vous dans deux secondes. Et non. Mets-toi bien au milieu. Voilà. Nickel. Oh oui, joli. Ah, c'est magnifique. Et pour l'instant, toujours aucune trace de boss, hein. Quelqu'un là. Il y a une ombre qui flotte, il y a quelqu'un. Ah, en plus là ça pète pas l'arc électrique, tiens. Alors qu'est-ce que t'as à me raconter, Dling Dling? Bienvenue à la boutique Luma. Pour 30 fragments d'étoiles, je peux te vendre quelque chose. Oui, ça c'est plutôt pas mal. Je vais prendre l'extension d'énergie, tiens. Miam miam. Transformation. Ok. Et là-haut, je sens que c'est un boss. Oui, enfin, ouais, on va dire que c'est un mini-boss, quoi. Une toupie avec des lames de rasoir. Ok, super cool. Comment je fais? Faut juste sauter dessus? Ouais. Ah, d'accord, attends. Attends, bouge pas. Ah.
J'ai compris, il faut lui sauter dessus pour lui faire rentrer les lames et après le frapper. Tout simplement. Voilà. Ah non! Wow, l'avalanche de fragments d'étoiles. Allez, ça se complique un peu là. Allez, encore une fois. Non! Yes. Bah, on ne veut pas. Oui. Yes, c'est bon. Et c'est la quatrième étoile que nous recherchions tant. Bien, donc normalement on a complété cette galaxie, non? Voyons voir. Il m'a pas mis galaxie complète, donc à mon avis il y a encore des choses à faire dessus. Bon, alors est-ce qu'on va en rester là ou est-ce qu'on va continuer encore un tout petit peu? Qu'est-ce que vous en pensez? On va déjà voir ce qui se passe sur la carte, ce que nous avons à notre disposition. Alors, la forteresse... Donc la forteresse, elle est pas finie. Ah, j'ai une comète encore à faire. Ah non, là c'est bon. Je pense qu'on... D'accord, on peut pas la faire tout de suite parce que la comète, elle est pas encore là. Bon, on va découvrir la nouvelle galaxie de 15. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, c'est Bowser. Le défi de la boule. Une étoile. Ouais, je pense que ça sera une grosse étoile. Usine stellaire. On va peut-être pouvoir se le faire, ça. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, ça devrait durer une petite dizaine de minutes. On va voir. Allez, on va explorer. On verra bien où ça nous mène. Usine stellaire. L'assaut de la forteresse de Bowser. Ah ah! Là, ça sent le boss. La forteresse de Bowser. Voyons voir. Ça, ça a l'air super intéressant. Ok, let's go. À l'envers. Des twamps, du feu. Ça passe. Oh là là, mais on part dans toutes les dimensions là, dans toutes les directions. Ah, encore cette notion de gravité. Attention, la gravité est toute détraquée. Regarde bien les flèches. Ouais, là, faut qu'on passe de l'autre côté parce qu'il y a un trou noir. Et surtout ne pas sauter là, sinon c'est la cata. Ah si, mince. Oui, il va falloir qu'on jongle entre les deux gravités, les deux dimensions. Hop. Oh là là, et encore une fois, la tête tourne dans tous les sens. Non mais c'est dingue, vous avez vu toutes les flammes qu'il y a là? Non mais qui a eu cette idée quoi? De mettre des flammes comme ça partout, des boules de feu. Allez. Cette fois-ci ça passe.
Ouh, il est chaud. Eh ouais, je le savais. Nous allons devoir affronter Bowser, excellent. Vite, 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 vite. Tiens, ça je prends, c'est utile. Oh non, j'ai sauté à côté. Mais n'importe quoi. Oh là là, c'est pas vrai. Ne pas sauter à côté. Je le répète, ne pas sauter à côté. Allez, Bowser, je vais faire qu'une bouchée de toi, toi. Oh, 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 oh. Alors, te voilà. Petit nabo, je vais t'écrabouiller et te réduire en poussière spatiale. Oh, 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 oh. Allez, let's go. Donc là, il va falloir découvrir la stratégie. Ah, oh, ces ondes de choc, décidément. Ok, il y a des coupoles en verre là qu'il va falloir qu'on pète. Ok, c'est Bowser qui les pète et il se brûle la queue en fait parce qu'il y a de la lave en dessous. Et là, attention, faut en profiter, faut être là au bon moment pour le taper. Yes, voilà, comme ça, tiens. Et d'une. Voilà, c'est lui qui m'a eu. Oh non, double onde de choc, et j'imagine qu'après ça va être triple onde de choc. Viens par là. Viens par ici. Oui. Yes! Allez, phase 3. Bon, ouais, d'accord. Une, deux, et trois, j'en étais sûr. Viens par là. Allez, viens. Ouais. Allez, allez, on y est presque. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Oh oui, ça y est. Merci, au revoir Bowser. Bye bye. Quel fiasco! Mais ça n'arrêtera pas le bon déroulement de mon plan! Penses-tu vraiment pouvoir m'arrêter, Mario? Mouhohohoho! Ah oui, c'est une grande étoile! Bon, super! Eh bien les amis, encore une partie, un épisode 5 riche en rebondissements et en boss, de très très beaux niveaux, et ce n'est pas encore fini. Là, normalement, on devrait activer un nouveau secteur avec cette grande étoile. Voyons ça. Oui. Et on en est déjà prêt. De la moitié du cheminement. Alors, comment ça s'appelle ce lieu? Galaxie complète. Normal, il n'y en avait qu'une, une étoile. Une nouvelle galaxie a été découverte. Et cette fois-ci, nous sommes dans la cuisine. Ah.
Ok. Bien entendu, nous explorerons la cuisine dans un prochain épisode de Super Mario Galaxy sur la chaîne Hero Game Company. J'espère que ça vous a plu. On était ensemble pendant 45 minutes, les amis. Ça a passé super vite. N'oubliez pas les petits pouces bleus et puis les commentaires si ça vous chante. Moi, je vous retrouve bien entendu très très prochainement pour l'épisode 6 de Mario Galaxy. Encore pas mal de belles petites choses en perspective. Et d'ici là, bah, portez-vous bien. Et à très très bientôt, les gars. Bye bye. Ciao.